Pour peu que l'on prenne le temps de se laisser séduire, Tanger marque à jamais. Ville internationale par excellence, elle mélange toutes les influences. Le Maroc se marie au reste du monde pour offrir le charme d'une ambiance incomparable. L'animation des rues, l'effervescence des marchés sont une invitation au bien-être. Habiter la Casbah de Tanger, c'est toucher du doigt la quintessence de l'art de vivre marocain. C'est dans une maison caractéristique de ces ruelles tortueuses qu'un couple de Parisiens a choisi de s'installer. Bonjour, bienvenue au cœur de la Casbah de Tanger, dans cette maison où j'habite avec mon mari depuis 6 ans, qui semble traditionnelle de l'extérieur, tout en hauteur, mais qui en réalité est assez atypique. C'est la raison pour laquelle on habite aussi ici, comme je vous invite à découvrir avec moi. Si vous voulez bien me suivre. Alors ici, on est dans l'entrée de la maison, qui est une entrée traditionnelle avec des petites pièces. Et c'est aussi une maison qui s'est agrandie en hauteur, avec succession d'étages, ce qui explique aussi la hauteur de ces maisons qui sont assez hautes. Il y a 4-5 étages ici. Et pour y accéder, il faut monter par l'escalier, qui est parfois un peu raide, pour arriver justement au reste de la maison. Donc là, on va monter. Alors, comme je vous disais, c'est toute une maison en hauteur. Il y a tout le temps des escaliers. On monte et on descend. On n'arrête pas. Je voudrais m'arrêter ici. Ça, c'est une planche qui est peinte dans le style des écoles du Nord. Et quand on est arrivé dans cette maison qui était vide, il fallait un petit peu l'habiter, l'occuper, et on a acheté cette planche à Tétouan. C'est la première qu'on a trouvée et qu'on a accrochée au mur. C'est vrai que ça a commencé à habiller peu à peu. Alors ici, c'est le salon. Alors une chose qui nous a frappé quand on est arrivé dans cette maison, c'est l'ampleur de cette pièce où on respire. En plus, ça donne sur le jardin. Et un volume comme ça est totalement atypique. Du moins, ce salon est en rose. C'est la couleur d'origine, on va dire. C'est comme ça qu'on l'a trouvé. Justement, c'est ce qui fait partie de l'histoire de la maison, un peu avec ses couleurs. On a rajouté nos propres couleurs dans certaines pièces. Mais là, je trouvais que ça se mariait bien avec les objets qu'on a peu à peu rassemblés. Là, c'est un fauteuil qu'on a acheté à Tétouan. Un fauteuil qui normalement n'est pas terminé, le vendeur ne voulait pas trop nous le vendre. Justement, il nous plaisait dans cet état, justement côté brut. Avec, il y a des objets plus travaillés, plus recherchés. Alors ici, par exemple, c'est autre chose. Là, par exemple, c'est les tapis. Alors, moi, quand je suis arrivée au Maroc, je n'aimais pas les tapis. Les tapis persans, iraniens, je ne trouvais pas ça très intéressant. Et j'ai découvert ce qu'on appelle les tapis berbères, les tapis des tribus. Ce sont des tapis qui sont tissés généralement par les femmes pour usage personnel. Et chaque pièce est totalement unique. Chaque pièce a son histoire. C'est presque... Moi qui aime bien l'art contemporain, c'est de l'art contemporain pour moi. Une diversité de couleurs, un travail... Et chaque tribu, chaque région du Maroc a une richesse. Là, par exemple, aussi, c'est un tapis qui vient du sud. Là-bas, c'est un autre tapis. Chaque région a vraiment il y a une richesse assez exceptionnelle. Là, c'est un tableau d'un peintre, Jean-Pierre Favre, qui a vécu très longtemps au Maroc, qui est encore. Et c'est une vision de la Médina de Tanger. Ces escaliers, ce n'est pas très loin. Espèce d'ambiance la nuit avec les femmes, des choses qui se passent. On aime bien les objets qui ont une histoire. Chaque objet a été choisi.
c'est pas des objets qui sont là par hasard. Ils ont quelque chose. Alors ici, on est dans la salle à manger, avec une autre ambiance, plus intimiste pour les dîners. Tout s'est donné aussi avec les vitraux qui sont en vert iraki, en bleu teinté dans la masse. Alors, c'est une pièce avec différents tableaux, entre des tableaux peints par le père de mon mari. Et là, justement, par exemple, pour ce tableau, on a découvert en venant que son père était venu il y a longtemps, plutôt dans les années 30, dans la région, à Tétouan, où il a fait entre autres ce portrait, quelques portraits, quelques vues, et qu'on a qui est plus, justement plus traditionnel, avec des pièces plus petites. Et justement, on voulait respecter le côté un peu oriental, un peu boîte à bonbons, ou un style oriental avec des formes marocaines, mais en gardant le côté un peu épuré. Par exemple, les portes qu'on a installées, on a eu la chance de trouver ces portes de récupération, mais qui est justement cet arc qu'on retrouve aussi dans les arcs qu'on a fait faire par le maçon, qui est presque à dessiner à la main. C'est un travail extraordinaire de maçon. Il y a la niche aussi qu'on a installée, qu'on a repris les éléments d'architecture qu'on trouvait, tout en essayant de garder un peu le côté un peu quand même épuré qui nous plaît bien. Alors ici, c'est la chambre à coucher. C'est une pièce qu'on a entièrement aménagée.